Cocody Saint-Jean, il est 15h ce samedi 23 novembre. Cette place, habituellement bruyante, ressemble aujourd'hui à un cimetière. Les véhicules de transport ont fait la place aux forces de l'ordre. Les usagers, eux, constatent impuissants la nouvelle situation. Ça fait une heure de temps, on a arrêté là. Il n'y a pas de taxi. On nous dit que la gare a changé. On ne sait pas où se trouve la nouvelle gare. On m'a dit réellement que ça gêne le passage présidentiel. Parce que là, il y a trop de rois, donc ils sont, ça dérange. Donc voici ça qui est là. Donc c'est à cause de ça qu'on a arrêté là aujourd'hui, sans Warren. Depuis 13h, il a fini de travailler. Je n'ai pas partout au quartier. Quand on est venu matin, l'école a donné des chassés, on est parti. Moi, ce matin, ce soir, quand on a fini de travailler, c'est pas comment on fait pour partir. Renseignements pris, on nous signale que la gare a été délocalisée au carrefour de la vie. Sur place, le constat est sans équivoque. La gare grouille de monde. Très rapidement, les transporteurs se sont familiarisés avec le nouveau local. Moi, de cela, le maire nous a dit que le site qu'on occupait au niveau de Saint-Jean, là, c'est un site provisoire, qu'il allait trouver une gare pour nous et qu'on allait quitter l'autre côté. Parce qu'il paraît que là, c'est une voie présidentielle et puis on gêne un peu les gens. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, c'est le site qu'il a trouvé ici. Franchement, ce qu'ils font là, ça ne me plaît pas parce qu'on va se déplacer depuis notre coin de domicile. On va marcher pour arriver jusqu'à la ville. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Regardez comment c'est loin. Déjà, le transport, les gens vont dire carburant a augmenté. Maintenant, ça là, comment on va faire pour se déplacer? Le site est trop petit. Toutes les voitures ne peuvent pas rentrer. Et puis, il n'y a pas de sécurité. À partir d'une certaine heure, nous ne pouvons pas venir là pour emprunter les véhicules, rentrer chez nous. La volonté de la mairie de Cocody est de supprimer définitivement les gares de Woro Woro dans la commune. Selon le directeur de cabinet du Mengouaka Mathias, la commune de Cocody, commune de référence par excellence d'Abidjan, ne mérite pas le désordre. Lorsque, au début, le maire avait envie que la gare soit délocalisée, nous avons trouvé ce site. Il nous fallait faire une enquête de commodo d'un commodo pour prendre l'opinion des résidents, ce que nous n'avons pas fait. Et nous avons fait le terrassement, nous avons équipé le coin. C'est après que nous sommes rentrés en négociation avec les résidents que nous avons compris que nous faisions une erreur, parce que dans tout acte communal et d'intérêt public, il faut demander l'avis de la population. Et quand la population, les résidents de ceux de fond ont dit non, on devrait fermer. Mais ça va être fermé, il n'y aura plus de gare de Ouro-Ouro. Les taxis ont pour vocation de rouler, d'être en mouvement. Ce qu'on peut-être leur concéder, c'est des têtes de taxi. Et ça existe partout dans le monde. En attendant qu'une solution durable et définitive ne soit trouvée, les usagers des Woro Woro, eux, continuent de subir cette situation d'incertitude due à la volonté de la municipalité de redonner à Cocody son lustre d'antan.